Bon, bah, nouvelle partie, hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu du truc un peu japonais, en mode... Maneki Neko et tout. Tu as fait tout le voyage depuis la métropole pour arriver à Bourancha. Par contre, pourquoi c'est pas en... Tu te rappelles même pas à quoi elle ressemblait. C'est normal, tu étais encore bébé. Cet endroit semblait manquer à maman. Papa n'a jamais mentionné la beauté des lieux. Mamie est restée sur place. Ce n'est que maintenant que tu découvres pourquoi. Apparemment, elle gérait toute une affaire. Bon, vous, ça vous dérange pas, mais moi, il y a ma barre d'étage en bas, ça me saoule. Hé, nous y voilà. Il n'est pas censé y avoir un bâtiment ici? Il y a un grand homme qui erre sur les lieux. On remarque les callosités sur ses mains et son sourire. Vous êtes? Et vous êtes? Soit tu es un voleur très charismatique ou un ami en devenir. Ça ne m'a pas toujours rendu service, mais je vais choisir la deuxième option. Tu dois être le petit rejeton de Nani. Comment j'ai pu ne pas remarquer? Je m'appelle Bonheur. Bonheur? Ouais, ok. J'étais un bon ami de ta grand-mère. Mais rien ne valait son armée de chats. Ah. C'est quoi ton petit nom? Laisse-moi te regarder un peu. J'aime beaucoup les dessins. Ouais, c'est sympa, hein. Franchement, c'est coolos. Joueur. Bah, je vais m'appeler Joueur. Milon. Afro, frisé, en pointe, en arrière, chauve, coupe afro longue, longue boucle, couette, longue pointe, chapeau. Oh, chapeau, c'est bien. Chapeau de chat. Oh, chapeau de chat, c'est bien. Chapeau, c'est bien. Couleur de cheveux, beige, couleur de peau. Je suis un tismé et je m'appelle Joueur. Pourquoi? Ok, bah oui, bah c'est bon. Joueur. D'ailleurs, j'ai recommencé l'apprentissage du japonais. Ah, super. Et via quoi? Une appli? Soupir. Regarde-toi un peu. Tu as même ses yeux. Nani passait son temps à parler de toi. Même quand tu étais bébé, elle était gaga de toi. Alors, est-ce que je suis gourmand, gentil, ou je papillonne de manière sociale? Alors, vous aimez déguster les plats autant que vous aimez les cuisiner, plus de en cuisine. Une chance d'utiliser moins d'ingrédients en cuisinant. Vos tempéraments doux calmera les ébouriffés des matous. Plus 2 en soins des chats. Plus 1 en relaxation féline. Vous avez le talent de faire en sorte que les autres se sentent chez eux. Plus 2 en service. Je dirais gentil, mais est-ce que le but c'est pas de bien faire à manger? Vas-y, gentil. Dis, est-ce que la lettre de Nani dit pourquoi elle voulait que tu viennes ici? Pour rebâtir son café lin. Ah, c'est pas mal comme mot, café lin. Duolingo, et c'est bien ou pas? Ah, je le savais. Laisse-moi t'aider à t'installer. Tout d'abord, trouver un nom qui tienne la mer. Café Miaou. Chat, c'est parfait. Café Miaou. C'est un nom qui a du chien. Ouais. Ou plutôt du chat. Et pourquoi on dit avoir du chien d'ailleurs? Vous entendez le son caractéristique des miaulements. Trois petites boules de poils sortent la tête d'entre les arbres. Oh! Voilà certains des nombreux chats errants qui habitent Bourancha. C'est l'occasion parfaite d'en adopter un. Joueur. Il faut des félins pour un café-lin après tout. On n'a pas de place. On a de la place que pour un chat pour le moment. Tu pourras étendre le café. Et accueillir les deux autres plus tard. À tes souhaits, Tokyo. Café lin. Ouais, c'est sympa. Ça va, mais je comprends pas leur logique. De Duolingo ou le japonais? Ah, le japonais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Moi, j'ai peur hein, de cette langue. Hein. Même si j'adorerais la maîtriser. Mais... Genre, on m'a d'abord appris à demander du thé vert avant de m'apprendre à dire bonjour. Ah, ah c'est vrai qu'ils sont obsédés par le matcha. Hein. Vous l'avez entendu, Tokyo éternuer? Ça fait un petit... alors, Koulos, petit bidou, auto-nettoyant. Attends, il s'appelle vraiment auto... C'est leur blaze? Ah non. Ah oui, ok. Vie au jour le jour, moins 1 de stress. Ils n'ont pas un gros appétit, moins 1 besoin de nourriture. Ils nettoient derrière eux, moins 1 petit besoin. Apprendre un chat noir. Non, je voulais être poli. Ah, ok. C'était trop... Franchement, il n'y a rien de plus... Déjà, il n'y a rien de plus mignon qu'un chat. Alors, un chat qui éternue.
Brian. On l'appelle Tokyo ? Non, on l'appelle Souria. C'est mon chat noir qui est parti cet été. C'est Ocha. T'es vert. Ok, je savais pas. Et ça te plaît d'apprendre le japonais ? Vous avez adopté un chat errant. C'est sympa. Continuez. Ils ont l'air de te faire confiance, joueur. C'est sûr, tu as hérité du charme de ta grand-mère pour les félins. Comme tu le vois, le café a pris la tempête dans la voile. Mais j'ai réussi à sauver quelques meubles. J'ai réussi des meubles un peu miteux. Par contre, il va te falloir plus de chaises. Tu peux en acheter plus chez Décoration Greffe en ville. Allez, bon vent. Je reviendrai voir comment tu vas plus tard. Pour le moment, bonne chance pour transformer ce terrain en joli café. Ok alors, la lecture. Vos objectifs. Bonjour mon sucre, j'espère que ce carnet de notes t'aidera. Ton objectif est de te délecter tes clients. Et non pas de te délecter de tes clients, ce serait un autre genre de jeu. Ces derniers auront des besoins que tu devras satisfaire pour augmenter leur satisfaction. Si les clients repartent satisfaits, ils gagneront plus de délices et te donneront plus de ressources avec lesquelles tu pourras améliorer ton café. Ce qui est dans votre café. Des chats, évidemment. Les chats rendent vos clients heureux en répondant à leurs besoins. Mais ils ont leurs propres besoins aussi et vous devez y prendre garde. Ouais, donc il y a deux... Il faut s'occuper des clients et des chats. Bon, ça va être cool. Personnel. Le personnel effectue automatiquement des tâches dans le café. Ils sont utiles lorsque votre café sera plus grand. Je pense que je vais bien kiffer. Parce qu'il y a un autre jeu là que j'ai essayé, une gestion de café. J'aime trop. Quand ça va vite et tout, qu'il faut tout savoir. Chaque meuble a des statistiques qui affectent votre café. Certains besoins des clients ne peuvent être comblés qu'avec certains meubles, alors soyez attentifs. Alors on a des ressources à collecter pour améliorer le café. Un tissu pour nettoyer les chaises. Ok, du nectar, ok, poisson. Pour les chats, matériaux, ok, de l'or. Ok. Alors... Attends, je vais voir si je branche ma manette. Parce que AWSD, ok, cool. Se déplacer, effectuer des tâches, zoomer. Bon, on va voir ça. Maintenez le bouton droit de la souris. Ok. Ah, c'est mieux. Alors, déjà, j'aimerais faire option. Vidéo. Pourquoi ? Je comprends pas. Il veut pas. Ah, hein. Oh, j'ai les boules. Ah, bah si. Option. Excusez-moi, hein, mais il fait chier. Mais c'est nul. Mais c'est nul. Ah, ça y est. Au fait, j'ai eu 22 ans. Il y a deux jours. Hé, hey, bon anniversaire. Trop bien. Ça te fait quel âge? Tu avais bien aimé Tiny Kin, je me souviens plus. J'avais adoré Tiny Kin, ouais. Franchement, j'avais adoré. J'ai trop kiffé. Et alors, t'as été gâté? T'as eu Princess Peach? 22 du coup, oui, c'était une vanne. Placer le leurre. Eau nécessite évier. Votre café n'a pas d'entrée. Il avance vite le jour. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais en fait? Bon. Faut peut-être que j'aille acheter. T'as 15 ans dans 15 jours exactement? Et tu veux quoi pour ton livre? J'ai acheté plein de jeux vidéo pour l'occasion, dont Princess Peach, Hogwarts Legacy. Oh génial! J'ai été gâté par moi-même. C'est trop cool ça, Crystal. Et t'as commencé alors? On fait quoi en fait là?
T'as pas encore commencé? T'as pas eu le temps? Tu vas commencer par lequel? Je te conseille de commencer par Princess Peach parce qu'il est moins long. Mais j'ai hâte. Bah, tu m'étonnes. Franchement, j'ai vraiment aimé Princess Peach. Bon, il y avait des soldes. Génial. Du coup, tu les as eu moins cher? Je suis à table, je profite visuellement du live. Pas de soucis, bon appétit, tu manges quoi? Franchement, je sais même pas ce que je veux. Écoute, tant que t'as la santé. Mais par contre, c'est un peu chaotique là, ce qui se passe. Il n'y a actuellement pas de l'heure dans votre inventaire. Meubles, marché, objets d'animalerie. Il me faut des chaises, c'est ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit bienvenue peut-être, non? T'es là, ok. Oui, je pense que je vais commencer par Peach. Mais il va arriver la semaine prochaine seulement. Ah, tu les as commandés. J'ai eu Hogwarts pour 35 au lieu de 60. Oh, génial. Ça, c'est bien, ça. Ouais, vaut mieux commencer par Peach, parce que Hogwarts, t'en as pour longtemps. Pour faire un truc à café, c'est bien de faire d'avoir une machine à café, non? Mais j'ai, de toute façon, j'ai combien d'argent? C'est où, mon argent? Pourquoi? Ok. Du bac à molle maison hyper épicé pour avoir du goût. Ah bah ouais. Du saumon fumé par une baguette de pain gris. Bah dis donc, c'est quoi du pain gris? Bon app en tout cas. Et j'ai juste commandé Peach sur Vinted, seconde main sous blister à 40€. Trop bien. Mais c'est trop bizarre, seconde main, du coup c'est neuf. Bon, j'ai une machine à café. L'heure en boîte pour chat errant, petite gamelle. C'est qui? C'est qui? Oramni, merci pour ton prime, Oramni. Merci beaucoup. Trop cool. Oui, neuf à un particulier. Oui. Vous n'avez pas de pain gris? Bah si, peut-être, mais je sais pas ce que c'est. Est-ce que, parce qu'ils m'ont dit, vous n'avez pas de leurre. Est-ce que j'achète du leurre? Café noir, recette, espresso à l'italienne. J'ai envie de commencer par l'espresso, moi. Mais après, je peux quand même faire une infusion aussi. Allez. Et à bouffer. Ah putain, mais il faut plein de trucs. Oh. Feuilles de thé. Herbes aromatiques. Attends, grains de café. 2, 3. Allez. Bon. Ok. C'est drôle. Et écoutez, hein? Mon café n'a pas d'entrée. Bah certes, mais je sais pas. C'est plus complet que du pain blanc. Ok. Bah est-ce que c'est du pain complet quoi? Genre multicéréales. Ok. C'est que vous l'appelez pain gris quoi. C'est peut-être sous un autre nom chez nous. Ouais, c'est du multicéréales quoi. Du pain aux céréales. Si si, on en a du coup. Du pain au gris. Ah, chat errant adoption. Essayons d'adopter plus de chats. Acheter un leurre à errant. Utiliser la carte de la ville, ok. Placer le leurre dans la gamelle, ok. Cajoler les chats errants et gagner leur confiance pour les adopter, ok. Caresser l'un d'entre eux pour gagner sa confiance, ok. Vous ne pouvez pas dépasser le nombre de chats autorisés par ton... C'est bizarre le vous et le tu. Ok, pour faire de la place dans le café, vous devez proposer certains de vos chats à l'adoption. Oh, bon. Ok, alors comment je cajole? Eh, soit il se couche à peine et que vous entendez un miaulement rauque à l'extérieur. Vous ouvrez la porte. Quelle porte? Pour savoir quel genre de chat errant peut miauler ainsi, et voyez une silhouette sombre se précipiter dans le café miaou. Il n'y a pas de café miaou. Grimalkin. Un chat noir se retrouve assis dans votre café et vous dévisage de ses grands yeux aux pupilles noires. Jaune. Bonjour. Il n'a pas l'air effrayé, humain. Tu me rappelles ta grand-mère Nanny? Nanny?
Je suis sûr. Putain, c'est dommage que j'ai pas. C'est dommage que j'ai pas mon. Vous savez. Nani. Voilà. Voilà. Les chats qui ont élu ce café ouvert, c'est ton fait, non, point douté. Les chats qui ont élu à domicile en ces lieux, leurs coussinets sont tendres, leurs ventes pleins et leurs vibrisses bien droites. Ça me plaît beaucoup de voir ça, humain. J'ai quelque chose à te montrer. Suis-moi, je t'ai pris. Oh, mais j'ai même pas pu cajoler les chats. Vous suivez le chat noir dans une clairière, profondément cachée dans les bois. Vous y découvrez une sorte d'hôtel ancien. Tu as remarqué, humain, à quel point ton café miaou et ses chats ont apporté des tonnes de délices aux humains de Bourg-en-Chat ? Mais non. Au nom du salut de cet hôtel, je te demande de continuer ainsi. Remplis leur cœur de délices et obtiens leur aide dans la restauration de ce vieil hôtel. Je t'en prie, humain, fais ça pour moi. Quel est cet hôtel ? Tu le sauras en temps voulu, humain curieux. Mais sache que c'est très puissant pour les bienfaiteurs de chats dans ton genre, humain. À mesure que tu restaures l'hôtel, je suis certain que tu en tireras moult avantages pour ton café et ses chats. Pour commencer, détermine un projet que tu devras accomplir. Chaque projet a des objectifs à remplir et une certaine quantité de délices. Pourquoi ne pas commencer par un projet humain ? Je reviendrai te voir lorsque tu auras progressé en ce sens. Je vais recevoir ma commande de thé normalement demain. Ah oui, maison d'été là. Bah, moi je me suis mis au café mais le thé pas encore. J'ai encore du mal et pourtant j'en ai chez moi. Tu me conseilles quoi pour un débutant ? Chat, déco, service, nourriture ? Nourriture ? Des blocs, café infusé à froid, latte, racinette. Allez, vas-y hein. Infusion avancée. Sandwich VG. J'ai besoin de combien pour ça? En fait, je comprends pas ce qui se passe là. Ajoute deux emplacements, limite des chats. Ah ok, non, on peut faire que un à la fois, ok. Bon, bah voilà. Je comprends pas tout. Hein. Décorer. Waouh. Ça te donne faim ? T'as pas mangé ? Mais ça va me coûter du blé, ça. Et comment je fais pour avoir... Alors, attendez. Alors, les patounes. Eh oh, ça va, hein. Il est 19h14. Du coup, est-ce qu'on mettrait... C'est pas facile à capter, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Je vais me ruiner. Ok. Il y a beaucoup d'infos. Ouais, c'est vrai. Mais on va y arriver. Je sais pas si... Je comprends pas... Je peux acheter tout ce que je veux ou c'est comment ? J'ai l'impression que oui.
On peut pas pivoter. Face à une table. Okay. J'aimerais bien pouvoir pivoter. Pour un débutant, je te conseille des fruisanes. Et ma commande justement. Non, ça ne vient pas du comptoir d'été. Ouais, voilà. D'ailleurs, GG d'avoir retenu. Mais d'un site français, Mystery Tea, que j'ai découvert sur Facebook. Et ça fait 6 mois que ça me fait envie de commander. J'ai pris 10 saveurs pour 57 euros, le 84. Ah, c'est bien. De plus, un gratuit. Ah bah, t'as bien raison. C'est avec LBRB. Ah, merci. J'ai même pas vu. Ah bah, trop bien. Des fruisanes, genre, c'est... Bah, ça porte bien son nom, quoi. Ok. Bah, trop bien. Cimer. Ah ouais, t'as raison. C'est bizarre que ce soit de l'autre côté. Donc là, je peux mettre tout ce que je veux, là. Ça passe mieux parce que ça n'a pas d'amertume vu que c'est des fruits et tu as un côté légèrement sucré naturel. Mais le thé, c'est quoi les propriétés? Les propriétés. Waouh, je capte rien. Publicité, personnel, chat. Ils veulent pas nous expliquer un peu ce qu'il faut faire? Menu. Eau. Espresso. Infusion. Passer directement au café. Au matin. Rendez. 4 emplacements de chaises. Ok. Donc j'ai déjà un chat, déjà un client. Qu'est-ce que... Tu veux quoi? Tu veux juste de l'eau? Comment je prends la commande? X? Comment je les cajole? Avec de la théine, donc comme le café avec la caféine. Les propriétés, ça dépend des thés. Et toi, t'aimes le café ou pas? Bon. Oh. Psst, psst, psst. Ils font des câlins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a du sale par terre? Ils ont salé mon café? C'est trop mignon, il fait des câlins. Bah, c'est un café, un chat. Et du coup, là, je vais gagner du blé, là. Ça, je vais pouvoir. Ok. Allez, va faire un câlin. Il est trop chou. Moi, j'ai hâte qu'il y ait plein de recettes à faire. Récemment, j'ai essayé un jeu dont je vous parlais tout à l'heure, je sais plus comment ça s'appelle.
c'était la démo d'un jeu que j'ai trop hâte qu'il sorte. C'est un roguelite, genre. Avec des niveaux et tout, mais genre à chaque niveau, t'as des. Tu dois faire des cafés différents. Il y a de plus en plus de clients en même temps. Pourquoi il y a personne qui prend du café? Ils veulent juste s'hydrater, quoi. Ça me dérange pas, mais. Et donc là. Ah oui, donc là, on revoit lui. Donc autant en faire lui. Comme ça, je vais finir par. Par l'adopter. Mao! Ok. Lui, il est nouveau, lui? Non? T'es content? Ok. En thé, j'ai quand même 25 sortes de thé, sans compter les 10 qui arrivent. Et comment tu choisis quand est-ce que tu prends... genre, c'est en fonction de tes envies? Salut, Mélusine. Bonjour. J'étais tellement impatiente à l'idée de te rencontrer, joueur. Je m'appelle Carla Lala. Appelle-moi Carla. Ou Lala, ou les deux. Je suis gérante de l'animalerie en ville. On a de nombreux objets à destination des propriétaires des chats, tels que de la nourriture pour chats ou des boîtes à litière. J'espère que tu trouveras le temps de venir me rendre visite. Merci Carla Lala. C'est entendu. Joueur, je comprends que ça puisse te surprendre, mais en réalité, je suis une sorcière. Figure-toi qu'il y a pas mal de sorcières qui vivent à Bourg-en-Chat. Je suis certaine qu'elles adoreront venir visiter Café Miaou. Elles aussi. Nous les sorcières payons en nectar. De nombreux marchands du marché alimentaire apprécient tant le nectar que c'est la seule devise acceptée pour les recettes et ingrédients. Si tu as l'intention de refaire le stock de Café Miaou avec de nouveaux aliments et boissons, je recommande de servir les sorcières et collecter du nectar, joueur. Personnellement, j'ai hâte de revenir à Café Miaou plus souvent. Ouais. Très bien. Et j'espère que nous pourrons discuter plus longuement. Je me doutais pas une seconde qu'elle était sorcière. Putain, c'est vrai, mais tu sais que je viens de capter, c'est une sorcière. Oui, je fonctionne à l'envie. Je prends ma liste et je me dis, ah, aujourd'hui sera toi. C'est vrai, putain. C'est drôle. Parce que moi, si j'ai trop de choix, ça me fait paniquer. Là, j'ai beaucoup de café, et du coup, j'écoule chaque café d'un coup, et je capte lequel est le meilleur, et après, je verrai. J'ai une théière automatique. Donc, j'ai juste à le préparer, après, elle fait le reste. Oui, on en avait parlé avec je sais plus qui il y a quelques temps. Et j'avoue que ça peut être bien. Qui fait à la température exacte et tout. Bonjour mes chéris. Bah bonjour. Ah non, mais je voulais mettre le leur. Du coup j'ai passé. Je suis carrément le passé le. Fais chier. Comment ça j'ai aucun leur, mais j'en ai acheté un. Ok. Qu'est-ce que tu. Elle veut un bretzel. Je fais ça comment? Préparer infusion. Tu veux un bretzel ou une infusion? Bah, ok. Bon. Je sais pas. Bah oui, t'es pas contente. Je me doute bien que t'es pas contente. Température, thé d'infusion. Et garde au chaud pendant une heure. C'est pratique. Pratique, pratique. Yes. Machine à café, toilette, fenêtre, chaise de pub. Ok, j'ai pas de blé. Marché. Bretzel recette. Pourquoi j'ai pas assez? C'est chiant. Comment je fais? Ah oui, donc faut que j'ai 100 pour obtenir ces recettes-là. Ok. Qu'est-ce que... Tu veux autre chose? Le premier d'une, il est magnifique, mais j'ai pas encore vu le deuxième. Le premier du reboot. Enfin, je veux dire, pas celui d'il y a grave longtemps. Tu veux de l'eau? Ok, bah, je vais te servir de l'eau.
ne peut pas. Il y a des chats qui arrivent. On n'a pas le. Un bangué. Cher mon. Mais bon, l'achat depuis mon anniversaire, elle fonctionne tous les jours. Ah oui, ta machine. Tant mieux. Discuter. J'espère que ça te gêne pas. Si je dis que le travail que tu fais ici est vraiment une source d'inspiration. Ah non, ça me gêne pas. Beaucoup de travail en prévision, je suppose. Oh, c'est certain. Mais s'imaginer toutes les directions qu'une œuvre non terminée peut prendre est amusant, non? Oui. Je m'appelle Finlay. Je suis musicienne, mais pas pour l'argent, sauf si on compte mon argent de poche. Je parie que tu ne savais pas qu'il y avait tant d'artistes à Bourg-en-Chat. Beaucoup d'esprits créatifs ont déménagé ici pour se concentrer sur leur travail. Café Miaou est un endroit sympa, ils vont apprécier. Nous, les artistes, on peut dégoter des bijoux. Les artisans des décorations greuves t'en demanderont pour la plupart des meubles. Du coup, si tu cherches à meubler ton café, sers les artistes pour gagner quelques bijoux. Ça marche? Allez. Aurais-tu du café? Si tu n'en as pas, va acheter la machine à café chez Greuf, après avoir acheté la recette. J'apprécie vraiment de travailler sur mes projets ici. J'espère qu'on aura l'occasion de faire plus ample connaissance aussi. Si c'est ok pour toi, je veux dire. Bien sûr, c'est un plaisir. Avec Zendaya et Timothée, ok, ouais. Bah, j'ai vu le premier, ouais, et il faut que j'aille voir le 2 aussi au ciné, là. J'aimerais bien. Bâtir un café lin splendide est important, bien sûr. Mais se faire des amis l'est tout autant. Les habitués sont des personnages hauts en couleur qui fréquentent votre café. Lorsqu'ils vous rendent visite et gagnent en délices, vous remplirez leur jauge d'amitié. À chaque fois qu'ils sont remplis, vous gagnez un niveau d'amitié. Certaines améliorations d'hôtel sont verrouillées jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'amitié avec l'un de vos habitués. Les habitués viendront de leur propre chef, mais si vous souhaitez faire venir une personne en particulier, utilisez la cabine téléphonique en dehors du café pour leur passer un coup de fil. Ah, sympa ça. Oh, mais j'ai. Il faut que j'ai. Mais pourtant j'ai. Bon, je vais lui préparer de l'eau, elle va pas être contente. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai du café. Oh, mais j'ai pas. Bah, je vais te préparer une infusion. Et je sais pas si tu m'as dit, Serenity, mais tu aimes le café ou pas? J'imagine que tu préfères en tout cas le thé. Tu as déjà visité l'animalerie de Carla Lala? C'est bizarre de voir une sorcière gérer une animalerie, mais je suis certaine qu'elle a plein de trucs utiles. Enfin, j'en suis certaine aussi. Mais est-ce que tu as une machine à café? Bah ouais, regarde. C'est le premier truc que j'ai acheté. Elle est là. C'est ça qui est bizarre. Est-ce qu'on a un inventaire? J'avais répondu j'aime bien mais pas la même passion que pour le thé. Ah, vraiment le thé c'est ton truc quoi. C'est bizarre, je comprends pas. J'ai du café, j'ai une machine à thé. Bon écoutez, c'est déjà ça. Je sais pas à quelle heure ça se termine une journée. Waouh! Peut-être 20h. On va checker, on va voir. Il s'arrête qu'on sache, tu vois. C'est pas 20h. Café, c'est beaucoup pour me réchauffer et me réveiller. Ok. Mais le thé, ça te réchauffe pas? J'avoue, le café, ça me réchauffe bien, moi. Et par contre, je sais pas si ça me réveille. C'est quoi, c'est 22h la fin? C'est peut-être minuit, hein.
Bon, en tout cas, il n'y a personne. J'ai eu 10. D. Pourquoi D alors que la veille, j'ai eu C? Attends, on va servir elle. J'aime bien le café noisette et le café caramel. Café no... Mais avec des sirops ou genre... café noisette, c'est un peu avec du lait. Moi, je me fais des... Tous les jours, je me fais des cappuccinos avec du café et du lait d'avoine. Avec un max de mousse. Je peux te dire que... Putain. Tu vois, j'en ai une machine à café. Il faut peut-être que j'achète surtout du café, en fait. Mais la bretzel recette, je l'avais achetée. Mais regarde, j'en ai 30. J'ai 30 grains de café. Café noir recette. Voilà. Mais ensuite... Tu vois, j'ai 40 grains de café. C'est chelou. Est-ce qu'on prend un grand évier? J'ai une machine à café. Long comptoir. Oh. Ça sert à quoi un grand évier? Bon, ah, on se ruine. Avec des sirops du café. Avec des sirops café au lait, pas fan. Bah, café au lait, c'est pas bon. Mais café au lait végétal, c'est vraiment délicieux. D'ailleurs, les baristas, ils prennent souvent. Enfin, ils font souvent leur café avec du café au lait d'avoine. En fait, ça se marie super bien. C'est vraiment incroyable. L'autre jour, Bobo, il aime pas non plus les cafés au lait. Le jour, je lui fais goûter un café au lait d'avoine et il a dit ouais, c'est quand même vraiment très bon. En fait, je sais pas pourquoi ça se marie autant, mais adopté, Nico. Adopter un chat. Adopte Nico. Waouh, maintenant il va y avoir Vla les... Ah donc trop bien, maintenant il peut... Alors toi tu... Moi je veux bien... Ah bah... Ah mais parce que j'ai pas de recette de café. C'est pour ça. J'avais du café, une machine à café, mais j'avais pas la recette. C'est pour ça les patounes. Bon c'est... Je commence à voir le principe et je kiffe bien. Mais j'ai pas la recette du bretzel encore. Je vais te servir une infusion pour la peine. Par contre, ils ont pas très faim les chats. Hein. Je vais vite prendre une petite douche. Donc je suis debout. Après j'aurai plus le courage. Ouais, vas-y, pas de soucis. T'as les grains, la machine, mais pas les compétences. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il veut, bonheur? Salut joueur, je pensais que ce serait une bonne idée de prendre de tes nouvelles. Alors comment ça va? C'est comme dans un rêve d'aider tous ces chats. Ça fait plaisir à voir. Ces félins ont l'air tellement bien soignés qu'ils pourraient tenir la baraque eux-mêmes. Dis, j'ai parlé à certains de mes amis pêcheurs. Ils disent qu'ils veulent venir visiter Café Miaou. Bah vas-y. Les pêcheurs sont comme moi, des gens francs et simples qui préfèrent parfois payer en poisson. Ne me regarde pas comme ça, c'est une tradition du coin. D'ailleurs, Carlalala, de l'animalerie, a besoin de tout poisson qu'elle puisse trouver. Elle te vendra ce qu'il y a de mieux pour tes chats, simplement comme du poisson. C'est vrai que c'est sympa la DA. Donc si tu veux gâter tes chats ou acheter des leurres pour attirer de nouveaux errants, tu ferais bien de cibler les pêcheurs. Et de te dégoter du poisson. Comme dit le proverbe, mieux vaut avoir un ami pêcheur que d'apprendre à pêcher soi-même. Je connaissais pas ce proverbe. Tu veux un petit féca? Toi, j'imagine le truc de quand tu auras v'là le monde qui veulent tous des trucs différents, faut faire tout. Et ça, je vais bien aimer ça. Oh, oui, oui. Il veut une infusion. Ah non, il était content de son infusion. Oh, oui, oui. Oui, oui. Elle fait la gueule, Mélusine. J'espère que Bou en chat te fait bonne impression jusqu'ici, joueur. On a tendance à s'y attacher. Tout à fait.
vais te faire une infusion si ça te dérange pas, Mélusine. Allez, des petits chats. Des petits chats. Est-ce qu'il y en a un qu'on connaît? Ouais, le siamois, non? Ouais. Eh ben, ça va partir sur une adoption, je pense. Des bras. Bah. Ah oui. Je commence à avoir pas mal de... Bah pourquoi il se barre? Ah non, elle reste. Et donc toi, tu fais pipi comme ça, toi. C'est drôle. Vas-y, on ira demain. Passer directement au lendemain. C'est ça, j'aime bien. Voilà, une fois qu'on a compris. Après, on peut améliorer nos murs et tout. Satisfaction, 38 bas, mais j'ai pas D. Bon, va vraiment falloir acheter... une recette. Bretzel. Voilà. Donc là, on est bien. Ok. Ok, au moins, on a le bretzel. Ah. Ah, mais il me faut du pain. Merde. Il a demandé quoi? Pourquoi je lui donne que de l'eau? Bah, je sais que t'es pas content. Ah, ok, ça bouffe quand même un peu. Mais j'ai l'impression quand même que bon, bretzel nécessite pain. Comment je vais là-bas? Parce que moi à chaque fois je fais ça, mais je sais même pas comment on y va. Il me faut du pain, du pain. Merde. Ah ouais, mais c'est chaud, hein. Parce qu'en soi, on gagne pas des masses. Hein. Ah, on est 100. Ah cool. Café infusé à froid, latte. Racinette, ok. Sélectionner un nouveau projet. Ajoute 2 emplacements, bref. Petite litière, litière à fleurs, ok. Des sandwichs, service. Tableau d'information municipale. Emplacement limite de chaise, ok. Meubles de style moderne chez Gruff. Ah, mais ça, déco, je m'en fiche un peu pour l'instant. Débloque le tableau d'information municipale. Ajoute un emplacement de limite de personnel. Ça peut être bien ça, parce que comme ça, je pourrais recruter quelqu'un. Donc je pourrais aller faire des courses pendant que lui s'occupe. Je vais essayer d'enlever la partie en tissu de mon casque pour les laver. Ok, très bien. En fait, il n'y a pas de... mais c'est bien, hein, mais il n'y a pas de spécialement de difficulté, il y a juste à appuyer sur un bouton et tout. Là où dans l'autre qui ressemble un peu à ça, fallait genre faire couler 5 doses de café pour un espresso, enfin une dose pour un espresso avec de l'eau, enfin chaque recette est différente quoi. Une mystérieuse personne s'est installée à Bourg-en-Chat. Elle recueillerait sous son toit tous les chats errants. Qu'est-ce qui la motive? La sorcellerie? La folie? Les affaires? Mon désir soudain de mettre fin à cette conversation me motive. N'est-ce pas notre cas à tous? Siri, note ça dans la liste. Truc cool que je dis, mais que je ne comprends pas. Merci ma belle. Après avoir quitté la ville, tu pensais ne jamais revoir quelqu'un parler à son assistant vocal. Il faut croire qu'il y a toujours quelqu'un comme ça.
comme ça, où qu'on soit. Moi, c'est Mathéo. Tu dois être une personne d'affaires. Tu sais que je suis une personne d'affaires aussi. Les gens d'affaires servent juste à faire descendre, redescendre la pression de leur métier ultra important et n'hésitent pas à payer en or. Les meubles de luxe ne s'achètent qu'avec de l'or. Bien évidemment, si tu veux t'équiper avec le meilleur, tu ferais mieux de plaire aux gens d'affaires. Siri, ajoute Café Miaou dans la liste de « Hey, trop génial l'endroit ». Oh, et ajoute-le aussi à la liste « Salut les chats ». Au top, ma biche. Une chose est sûre, c'est que je vais revenir, amigo. Ciao, ciao, ciao. Ok, mais j'espère que tu vas pas partir. Allez, tu veux un café et je vais te contenter, Mathéo. Tiens, Mathéo, bois ton café. Tu veux un bretzel, mais j'ai pas de pain. Ça fait en l'air de bien tourner, amigo. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah, oh, il m'a donné de l'or. Style. Il n'y a que comme ça que je sais comment on va là-bas, mais... L'heure. Hop. Meuble. Bah, il a même pas de... Chaise de pub. On s'en fiche un peu des chaises pour l'instant. Caisse enregistreuse. Et marché, je peux pas acheter du pain. Pourquoi j'ai pas de... J'ai pas tout ça. Y a pas des sorcières qui veulent venir là? Ouais, ça pionce. Hein. Pas très fort. Hein. Une sorcière. Mais la sorcière, elle me donne pas du... Mais c'est peut-être que je les contente pas depuis tout à l'heure. Bah ouais, mais... J'ai pas tout ça. Désolé. Je peux pas. Bon, je peux pas. Tant pis. De toute façon, ils m'ont jamais aimé. De toute façon, personne ne m'aime, donc je vais te dire. C'est pas très compliqué. Mimine. Oh, salut. T'es pas du coin, non? Salut, Amy. Ça va? Tu fais ce truc que font les gens quand ils cherchent à faire la conversation? Tu sais, quand ils ouvrent la bouche et me balancent des mots, ce truc-là. Ça m'arrive de parler, oui. Moi, c'est Harwell, pas besoin de te présenter. Ça m'étonnerait que tu tiennes le coup longtemps ici. Souris tes manières, Harwell. Cool, je t'aime bien maintenant. T'es un peu punk aussi, hein? Et ouais, je suis un punk. Je connais pas mal d'autres punks. On est plutôt cool, moi et mes potes punk. On n'a pas de flouze, mais on est balèze en récup de matériaux. Tu veux faire quelque chose pour study? Il va te falloir quelques matériaux. C'est ce que j'aurais dit si je voulais donner un conseil utile et insupportable. Mais vu que je suis un punk, tu n'es pas la pire des personnes. Moi, je suis un punk. Tu pourrais me balancer des mots plus tard si tu veux. De punk à punk. Je crois que c'est un punk. Pourquoi? Ah mais parce que j'ai plus d'herbes aromatiques. Du coup je suis obligé de en préparer un espresso à l'italienne. Alors, mais attends, mais je comprends pas, y'a personne qui me demande ça, maintenant je peux en faire. C'est un punk. Hein. Franchement je pense que c'est un punk. Ça fait un moment que je suis là, mais je voulais pas écrire. Je coupais mon poulet. Ah bah, pauvre poulet. Pas de soucis. Tu connais le jeu? C'est un jeu avec des punks. Des chats. Comment on va à ce foutu machin là? Moi j'aimerais aller à... Comme ça.
Ce Matteo ne veut pas me laisser en paix. Comment tant de mots peuvent sortir d'une seule bouche? Merde, faut vraiment que j'achète des herbes aromatiques, putain. Oh. Punk achat. C'est ça. Alors, du pain. Mais vas-y, mais j'ai que... Ok, du pain. Herbe aromatique. Ok, comme ça je vais pouvoir faire 10 bretzel, 10 pains. Dictée. Chaise magique. Table de base. Voilà, ma table de base, elle est ronde. Ah, mais attends, j'ai un long comptoir. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Décoré. Les masques que j'ai. Regarde. T'en dis quoi? Comment on fait pour déplacer? Vendre. Allez, ça dégage. Je sais pas à quoi ça sert. C'est des punks. Je sais pas. Peut-être à poser des trucs. Allez, le petit café. Ah, ça y est. La machine est prête. J'ai commencé à 13h. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 7h. 7h de machine. Au calme. Sérieux. Bon, c'est des draps, donc 60 degrés, plus séchage. Ok, 7h de machine. 7h. Bon, au moins j'aurai les draps bien propres. Mais le problème c'est qu'entre les deux j'ai regardé et j'ai l'impression que les poils ils sont pas trop. C'est chiant. Allez, il y a de la satisfaction là. Même pas. J'ai l'impression que... Ah, ça sonne. Oui, oui. Ah ok. Merde. J'arrive. Ah ouais. Appelez Carla Lala. Elle va me donner des trucs de... Pour acheter le truc violet là. J'arrive, pardon. Je suis là. C'est un genre riche, lui. Allez, Mimine, ça part sur toi. Quoi? Bah. Pourquoi elle est pas adoptée? Ben, je l'ai adopté. Ah, j'ai peut-être pas assez de place. Salut, Mélusine. Un bretzel. Hey, regarde. Tu fais un bretzel, tu vas être contente. Quoi? Peut-être que t'as plus de place. Ouais, je pense que j'ai plus de place de chat. Il y a 6 groupes de clients différents. Chacun a ses propres besoins et paye avec une ressource différente. Des vagabonds payent en tissu. Les artistes payent en bijoux, les punks payent en matériaux, les sorcières payent en nectar, les pêcheurs payent en poisson et les gens d'affaires payent en or. Utilisez le menu publicité pour sélectionner quel groupe de clients visite le café. C'est utile si vous souhaitez gagner un type de ressources en particulier. Les chats. Toutes les statistiques de chats de ce type de clients sont additionnées pour répondre à ce besoin, à l'exception des chats mécontents. J'ai pas compris. La fin. Vos compétences en cuisine répondra à ce besoin. Si un client ne reçoit pas la nourriture qu'il a demandé, votre compétence de cuisine sera réduite de moitié. Wow.
confort. La statistique de confort d'une chaise répond aux besoins de confort du client qui s'assied dessus. Social. Parlez à vos clients à l'aide de votre compétence de service pour répondre à ce besoin. Toilette. Chacune de vos toilettes répondra à ce besoin pour un certain nombre de clients. Et j'en ai même pas. La taille de votre café répondra aux besoins d'espace. Besoin de meubles. Ok, bon. Très bien. Du coup. Il est content ? Il y a Tokyo qui mange. Sachez-le. Pourquoi y'a rien ? Ah, frigo. Toilette. Rosier, tulipe. Pourquoi je fais plein de nouveaux trucs ? Toilette. Toilette ou frigo, ça sert. Ils disent même pas à quoi ça sert. Ah non, attends. Pas tout de suite. J'ai trois chats. Ah, pardon le chat. Je suis tellement contente que Café Miaou ait réouvert. Lani serait tellement fière de toi, mon chou. J'espère. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est où qu'on achetait avec du nectar ? C'est là ? Oui. Ok, alors je vais prendre des grains de café. Ah non, attends, qu'est-ce que je vais prendre ? Des herbes aromatiques. Putain, c'est cher hein, tout ça, feuilles de thé. Il y a plus de demandes en thé, je crois. J'espère que mes usines, elle va revenir vite. Hein. Là, là, là. Quoi ? Et donc ? Ah, j'ai pas fini. Pardon. Tiens. Mais pourquoi il est pas... Putain. Elle mange son bretzel ou... Quand même. Ah, je vais bientôt pouvoir recruter quelqu'un. C'est bien, hein. Pourquoi il y a une notif entraînée? Ah. Ah, je peux ah ok, je peux entraîner. Service. Ok. Et les chats? Ah, je peux entraîner aussi. Ah, c'est drôle. Et c'est quoi le... Moins un besoin de nourriture. Amusement à votre café. Et deux nourritures à vous. Je t'entraîne, toi? Un bunk. Mais c'est... je sais pas ce que c'est dire. Ils veulent pas dire ce que c'est ? Bon. Ah.
pas encore. Hey yo! Vous pouvez habiter un là. Tiens, bois. Non mais j'ai dit bois. J'appelle Poppy Lalala. Hein. C'est bizarre qu'ils me disent tu vous pouvez. Car là, là. Je l'appelle elle. Oui, oui, allez, viens. Ah mince, il veut du café. Mais j'ai pas de café, j'ai que du café. Ça ira du café? Qu'est-ce que vous en pensez pour la soirée Batoon? C'est sympa, non? En vrai. J'aime bien. Qu'est-ce que vous faites en même temps? En tout cas, on est en mode chat en ce moment, putain. J'appelle Carla Lalala parce que comme ça elle va me faire des. Elle va me donner du nectar. Voilà. Ajoute un emplacement. Je joue à mon jeu de fashion. Mais ils veulent pas se mettre sur le trottoir. Mais c'est quoi ton jeu? Je galère à enlever des vis de mon casque. Putain, tu galères vraiment. Mais fais gaffe hein, à pas trop ajouter cap de façon. C'est que si je débloque tout ça, ils vont me demander encore tout ça. Je sais pas du tout en fait. Je sais pas. J'espère que les gens ils sont pas barrés pendant que ça mettait en pause là. T'as eu un appel ennemi? Marreux. Tu continues ton marathon Assassin's Creed? Tu veux plus te faire à la vie à Bourancha? Je pense que tu rencontres bien moins de sorcières de jardin que dans la métropole. C'est vraiment un endroit charmant. Je suis ravi de l'entendre. On continue comme ça et tu devras bientôt apprendre à tenir des chats en équilibre sur tes épaules, toi aussi. J'espère que tu te sens bien ici, mon chou. Si tu as des questions sur la sorcière au Bourancha, je serais ravi d'y répondre. Elles peuvent faire de la magie? Là, recrache son thé et vous présente l'idéal moléculaire d'une technique datant des années 90, connue sous le nom de crachat. Je suis désolé, c'est une question tellement adorable. Tu n'en sais pas beaucoup sur les sorcières, n'est-ce pas? La magie, c'est un conte pour enfants. Les sorcières ne font que des potions pour le rhume, les brûlures ou la lévitation temporaire. C'est quand même de la magie, la lévitation. On parle aussi aux animaux, mais c'est un secret bien gardé depuis des générations. Tu as d'autres questions? Tu sais quelque chose à propos de l'hôtel félin? Oh, tu parles de l'hôtel félin dans la forêt? J'ai entendu dire que tu militais pour sa rénovation. C'est charmant. Je le connais, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est, hormis que les chats errants de la ville en sont friands. Ils passent leur temps à traîner autour. J'ai un vague souvenir d'une histoire que racontaient des anciennes de ma sororité pour éviter que les jeunes sorcières n'aillent dans les bois. Si tu t'aventures trop près de l'hôtel,
Le chat des ombres fera de toi son serviteur et tu finiras tes jours dans la forêt. Il faut vraiment que quelqu'un dise aux anciennes d'arrêter d'essayer de faire peur aux gamins. Il y a toujours eu des sorcières à Bourg-en-Chat ? En réalité, oui. Les sorcières ont joué un rôle important dans l'histoire de la ville. Lorsque les premiers colons se sont établis ici, ils ont trouvé le repère d'une tribu de chats sauvages. Les chats les ont menacés et griffés jusqu'à ce qu'ils fuient. Une vieille et sage sorcière a sacrifié de nombreuses sardines pour les apaiser. Je ne connais pas le reste de l'histoire, mais ils vécurent heureux après cet événement. Me revoilà. Et RIP, la nappe phréatique, pour une fois, j'ai laissé couler l'eau. J'aime pas faire ça, mais ça m'a fait tellement bien. Ouais, mais là, t'es hyper malade, t'en as besoin. Franchement, c'est important. Nouvelle nourriture désirée. Oh putain, mais je peux pas. C'est coolos, mais bon, je fais comment? J'ai même pas ce qu'il faut. Ah. Recherche un emploi. Recherche un chat. Mon père avait un bar. Allez, je t'engage. Cherche un travail. Et attends. Pourquoi je peux faire que un à la fois? Par exemple, si toi, il n'y avait pas la sorcière qui recherchait un chat. Bien sûr. Artiste, sorcière recherche un chat. Choisir un chat. Donc là, je suis obligé de lui donner un chat là. Pourquoi lui? Je vais pas lui donner lui. Ok, donc je suis... Bon, bah tant pis. On est joueur. Je sais pas ce que ça change. Ajoute deux emplacements limite de chat. Oh, c'est bien ça. Quatre emplacements limite de chat. Et attends, non, moi ce que... Attends. Ok, ça en rajoute plein. Pour errant premium. On va voir, hein. Du coup, comme j'ai plus de... j'ai plus 3 chats, je peux en remettre un. Ah, mais il y a quelqu'un. Oui, c'est vrai que j'ai... Ah oui, du coup, il peut faire des trucs. On peut pas agrandir. C'est quoi ça? C'est un mur, ça? C'est bien, ça. J'ai plus de fenêtre. Et j'ai des toilettes, mais personne n'y va. Filtre de bien-être. Ok.
si je veux... Ah ouais, la Divine... La... Attends, je vais voir ce qu'il fait. Ah, il s'en occupe. C'est bien. C'est bien. Alors, grain de café, herbe aromatique ou pain? Pain, j'en ai 17, herbe aromatique. Ah, thé noir recette. Ah putain, j'aurais dû prendre ça. J'aurais dû prendre la recette du thé noir. Ah, dès qu'il réagit encore au jeu. Ah ouais, il entend les... Désolé mon chat, mais... Carla Lala, est-ce que je la... Non, vas-y, j'appelle quelqu'un d'autre quand même. Mais je sais plus qui. Finlay, c'est une artiste, je sais plus ce qu'elle donne. J'ai 368, à mon avis, j'ai trop. Lui, c'est les poissons. Lui, c'est l'or. Et lui, c'est quoi? Lui, c'est le truc 28, c'est pour les meubles. Je sais pas. Je vais faire ça. Ah, mais j'ai plus de place pour les chats. En vrai. Et puis de toute façon, autant l'utiliser puisque le leurre, il est là. Comment on sait les places qu'on a pour les chats? 3 sur 5. Ok. 5. Il fait ce qu'il faut ou pas? Genre là, il veut ça. Ok, c'est bien. Ça sert à rien d'employer quelqu'un pour l'instant. Hein. Ouais, il me faut vraiment la recette. C'est chiant. Avec 40 sur 130. Ah ouais, ça. 350. Beaucoup plus. Il va me donner du poiscaille. Bah, ok. Les boules. Pourquoi je peux plus? Ils sont pas très gourmands. Il me parle pas bonheur. Oh, c'est pas grave, je pourrais lui parler de toute façon. De toute façon, je l'ai jamais aimé, donc... En vrai. Fais pas confiance à du flouze. C'est la fusion entre deux créatures, le serpent et le requin. Ok. Je vais allumer la lumière. Des chats errants. Pourquoi il y en a que un à chaque fois? C'est bizarre. Ok, je gagne des points, mais moi ce que j'aimerais c'est gagner du nectar. Heureux améthyste. Ah bah tu vois, grand évier est en panne. Ok. Ah, j'imagine que quand le café sera géant, il faudra bien gérer tout ça. J'ai pas de nectar. Ah, avancé, c'est un peu mieux. Ça va, tout le monde dort, t'as bien mangé?
J'ai 110. Je vais. Déjà, je vais rappeler. Carla, là, là, là. Il me faut du nectar. C'est un jeu de gestion de café. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Monsieur, vous avez mangé quoi de bon? Et moi, j'ai pas encore mangé. Vous avez adopté tous les chats qui sont attirés par le leurre en boîte de pour chats. Hein. Pour adopter plus de chats, achetez un leurre différent à l'animalerie. Pour débloquer. Ah, c'est pour ça qu'il n'y en avait plus qu'un. Ok. Vous avez été remboursé de 45 de poissons. Ok, c'est cool. Ah, ça, c'est bien fait ça. Machine à café. Tulipe. Je peux prendre une deuxième table. J'ai combien? Ah, j'ai plein de. Pourquoi mes chaises elles sont comme ça? Je veux pas des chaises comme ça. Chaises de pub. Vas-y, hein. Toujours pas. Faut les payer ou pas? Un jukebox, pas mal ça. Pourquoi je peux pas l'embaucher? Ah, je peux pas. Ce qui est. Bah oui. Parce qu'il faut. J'ai réussi à avancer mon rendez-vous avec la fibre du 18 au 9. Je peux plus avoir 3000 de ping. C'est beaucoup ou pas beaucoup? J'ai jamais compris les pings. Est-ce qu'on n'essaierait pas... un emplacement de limite de personnel? Comme ça, je peux avoir... Ah mais non, mais il me faut des healers. On est sur quoi là? L'heure pour errant premium. Ok, bon bah on est obligé de faire ça. Il me faut vraiment. Ah bah elle est là. Ah yes. Elle va me donner du nectar. Toi t'es content, c'est bon? Quoi? Machine à café est en panne. Sorcière. Donnez-moi du nectar. Ah, c'est trop bien. Je prends la commande et il l'a fait lui. Ah, c'est bien. Et j'ai 4 chats. Il lui va demander de l'eau. Je trouve que Café Miaou est aussi relaxant qu'une bonne balade. Ben merci. C'est vrai. L'eau, ok, vas-y. Allez, on va acheter la bonne petite recette qui va bien. On peut pas. J'espère qu'elle, elle va me donner. Putain, mais je comprends pas, elle m'a donné combien là. 20. Là, je peux, là, quand même. T'es noire recette. Voilà. Ah mais attends, mais j'ai des chaises et tout. Ouais, je peux faire une deuxième machine à café. Vas-y, on va essayer. Mm-hmm.
Lampadaire et la cabine téléphonique, ça me fait trop penser à SNH. Ah putain, le Lampadaire et la SNH. J'ai trop envie d'y rejouer, mais dans de bonnes conditions. Ah, comme ça, on aura encore plus de clients. Thé noir nécessite feuille de thé. Bah quoi, j'en ai plus. J'en ai même pas du tout en fait. Ok. Ah, mais le nectar, il en faut en masse. Hein. Ce serait bien qu'elle vienne un peu plus. J'ai même plus envie d'y toucher, j'ai trop séché le jeu. Mais c'est le gros problème avec ce jeu, c'est que... c'était, en fait, je pense qu'ils étaient pas du tout prêts au succès fulgurant de New Horizon. Et du coup, ils ont... En fait, ils sont passés à autre chose. Je pense qu'ils sont même passés au prochain. Direct après la sortie, ils ont laissé vite fait quelques DLC et tout, qui devaient déjà être prévus. Mais en vrai, je pense qu'ils ont pas fait grand-chose de plus. Et c'est bien les boules, parce que ça aurait été tellement cool de pouvoir continuer. Genre, je me rappelle que celui sur 3DS... Il était vachement suivi. Donc, j'ai eu des remerciements au prochain. Ouais, on en parlait l'autre jour. On en parlait l'autre jour et... possiblement, il y a des rumeurs, en effet. Il se trouve que oui. Est-ce qu'on rappelle encore Carla Lalala? Parce que, quand même... Mais attends... Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas augmenté depuis tout à l'heure. Peut-être que j'appelle quelqu'un d'autre. Parce que si je l'appelle et que ça augmente pas, parce qu'il faut faire un truc à l'hôtel, bon. Je suis quasi sûr que c'est ça en plus. Vas-y, je vais... Qu'est-ce que je peux appeler? Je vais vérifier. Ouais, je suis pas sûr en fait. J'ai peut-être merdé. Merde. On peut pas annuler? En vrai, il se gère tout seul, le café. Attends, le personnage... Je peux pas l'améliorer? Si, je vais l'améliorer, Zoé. Hop là. Hop là. Oh. Utiliser. Il faut que j'aille. Je reviendrai peut-être.
Pas de soucis, t'as réussi avec ton casque? J'ai posté des vidéos de ma TR sur Didier. Ouais, bah je regarderai après. Mais je crois que je connais si la truc automatique, j'avais vu passer. Mais déjà, j'ai payé ma cafetière du futur récemment. Donc je vais pas pouvoir... Machine à café. Fenêtre de base, chaise de base. C'est combien? 45 et j'ai... Bon. On peut rien acheter. Putain, c'est cher, tout est cher. On peut pas... Moi j'aimerais déplacer la fenêtre. On peut pas. Ok, donc t'es noir, on peut pas. Oui, mais j'ai pas réussi à enlever le tissu. Mince. Qu'est-ce qu'elle m'a donné, elle? La musique, ouais, elle est assez répétitive et entraînante, c'est vrai. C'est bien. Mais putain, mais le nectar, on en a... C'est vraiment une denrée super rare. Hein. Comment ça, t'es mort en plus? Ah. Ok. Non, le thé. C'est le thé. C'est comme bambou, là. Là, il y a du bambou, là. C'est fou, putain. Ce qu'on peut dire sans faire exprès. En fait, c'est lui qui fait tout, quoi. J'ai peur que t'as pas la blague. Ouais. J'ai mis quelques secondes à captouner. J'avoue. Ça me fait peur, j'ai cru que j'avais dit une grosse dinguerie. Publicité. Ah, mais c'est bien, ça. Ah mais oui, bah venez. Bah oui. Bah oui. Voilà. Putain, j'aurais dû faire ça depuis le début. Venez les sorcières. C'est... On s'améliore un peu. Au bout du jour 12, quand même. Une sorcière. Tiens donc. Il me faut là les recettes, là. Tiens donc, une autre sorcière. C'est étrange. Vas-y, pars. Comme ça, tu me donnes un peu de nectar. Et moi, je peux aller acheter ce qu'il faut. Mais c'est vrai, en plus, il me l'a dit pour la pub. C'est trop bien en fait. J'ai perdu quelques jours. Hop, alors maintenant. Racinette, personne n'a demandé. Il me faut des feuilles de thé. Herbe aromatique. Après, je rachèterai du pain. Et des feuilles de thé. En vrai, quelques jours avec que des sorcières et c'est bon. Habitué un habitué. Bah du coup, je peux appeler quelqu'un d'autre.
une sorcière. Finlay, comme ça j'aurai deux. Deux au niveau 2. Bah, roulez-vous dans la pisse, hein, je dirais rien. Toutes ces sorcières. Feuilles de thé, pain, herbe aromatique. Ah là, on est bien là, on est bien. Voilà, en fait, c'était ça la solution. Tu fais deux jours avec des sorcières et t'as ton stock. Pourquoi il y a 4 chats? C'est parce que j'en ai 4 en fait, tout simplement. Racinette, personne n'en demande, on est d'accord. Hein. Est-ce que je fais un stock? Oh oui, je fais des stocks de toute façon. Comme ça sera fait. Pourquoi j'ai pas capté ça plus tôt? J'aurais tellement pu optimiser. Bah. Je m'en suis rendu compte. Pardonne-moi d'être direct, mais je sais que tu viens de commencer l'aventure avec Café Miaou. Mais quelle est, jusqu'ici, ta plus grande source de fierté? Les chats. J'aurais dû le savoir. Ça se sent que tu as vraiment conçu ce café pour les chats plus qu'autre chose. Ça va faire du bien de savoir que ton travail est servi à celui d'un autre, hein? Parfois, j'aimerais bien me sentir pareil avec ma musique. Mais je sais que c'est pas encore terminé. Je dois travailler plus dur. J'ai toujours un boost quand je suis avec des personnes qui m'inspirent, comme toi, ma grande sœur. Tu y vas, Crystal? Bon, bah, pas de soucis. Bonne soirée. J'espère qu'on a pu un peu te divertir. C'est possible que tu entendes Bonheur mentionner ma sœur Erin. Elle joue du piano chez elle. Je pense qu'elle visiterait volontiers Café Miaou si elle le pouvait. Mais elle ne vit plus ici maintenant. Tu imagines qu'il existe des endroits encore plus reclus que Bourrancha dans les environs. Et elle a décidé d'y emménager. Elle est la raison pour laquelle je suis devenu musicien. Elle est incroyable sur un piano. Voilà un moment que je n'ai pas entendu jouer. Elle est forcément fière de devoir travailler si dur. Vraiment, tu sais, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. Ni même réfléchi d'ailleurs. Je ne lui ai pas dit que tu travaillais ma... que je travaillais ma propre musique. Wow. Mais le jour où je créerai un chef-d'œuvre, je lui ferai écouter, c'est certain. Ok, je suis méga chaud là. Je vais pondre des trucs ultra cool. Bonne chance dans ton travail aussi, joueur. A banni pendant 86 400 secondes. Bah dis donc, pourquoi tu le bannis pas tout court? 86 400 secondes. Ah, j'ai des lattés. Ah, ils vont désirer des lattés. Ah. Ah oui, donc va falloir... recette du latté. Ah ouais. Allez, donnez-moi du nectar. Tout ça, j'ai l'impression que c'est parfait. Si on n'a pas un petit B là, bon, c'est quand même déjà un peu mieux. La thé nécessite frigo. Quoi d'autre? Et donc? Et du lait aussi. Donne-moi du lait.
j'aime bien. Pourquoi on peut pas, c'est dommage. Ah mais je... Ok. Attends. La thé nécessite lait. On n'a pas de lait? Lait, ok. Putain, lait. Ah, ils veulent tous du latte et des salades. Putain. Je fais comment ta salade? Je sais même pas. Je vais te donner du café, hein. Tu fais quoi? Ça commence à pulser. Mais c'est quoi tout ça? Ah, faut que j'embauche quelqu'un. Hein. Il fait quoi en fait? Pourquoi il sait rien? Cyril me dit qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des pauses à foison. Mais hormis les journées internationales bidon, tu as bien mérité une petite pause, amigo. Franchement, il me faudrait quelques pauses. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on réussit. Tu me suis? Gérer un café là, c'est plutôt cool en fait. Ah, mais c'est bien sûr. Moi, je suis entouré de clients passifs-agressifs et toi de chats paresseux. Et voilà que je, ce que je récolte avec le fondateur de Matteo et Matteo Management. On fait des CMS conducifs. Bon, plutôt que de nous ennuyer à expliquer ce que ça veut dire, Siri, ma biche, j'envoie le jingle. Ça m'est super, super. Une petite entreprise. Du coup, je dis nous. Ça veut surtout dire je. Mais nous, c'est-à-dire je, nous débrouillons plutôt bien. En réalité, on a même décroché un nouveau client récemment. The Holding du Flouze. Ah, faut s'en méfier. Je les aide à s'établir à Bourg-en-Chat. À faire entrer cette petite ville dans le 21e siècle, baby. Je te cache pas que du Flouze est un client difficile. C'est parfois, comment dire, stressant. En parlant de stress, je me suis demandé, est-ce que le joueur a des hobbies? Ok, je me posais pas vraiment la question, mais elle est valable quand même. J'ai plein de hobbies. Excellent. C'est important de trouver des moyens débilement sophistiqués de décrocher du travail, n'est-ce pas? Salut Améthyste. Bon valo. Moi, j'ai trop de ces fichus hobbies. Géocaching, repassage extrême, rassemblement des canards compétitifs. En fait, je viens de me dégoter un kit à cocktail. J'ai hâte de m'asseoir ici et d'attendre que ma boisson puante fasse des champignons. Les chats sont mon hobby. Je te conseille de surveiller ton équilibre vie-travail. Mais l'équilibre entre vie et chat, c'est tout autre chose. Franchement, je passe plus de temps en ligne à acheter du matériel pour de nouveaux hobbies qu'à les pratiquer. C'est peut-être mon hobby de trouver des nouveaux hobbies. Siri, ajoute ça à la liste pas ouf. Ajoute ça à... J'ai vraiment pensé que ça pourrait être marrant. Merci, Bichette. Oups, c'est un mec qui en joue absolument répondeur. Ah, j'ai... Mais il est passé où le... Ça commence à aller vite, hein. Là, j'ai de l'art.
lait. Café infusé à froid, il va m'en falloir de ça. Attends, je vais voir si je peux pas embaucher quelqu'un d'autre. Je peux? Non, pas encore. Mais j'avoue, je capte pas tout. Pourquoi il marche pas? Ah ouais, en fait, il est bloqué. C'est bien quand on a que les nectars. Je vais encore agrandir, je pense. Qu'est-ce qui me donne ça? Putain. Allez, la racinette. Comme ça sera fait. Ouais, il me faut au moins de quoi améliorer le café. On peut pas avancer le temps. Du coup, je vais faire venir c'est elle qui donne du... Ah mais pourquoi lui il a plus? C'est elle je crois qui donne. C'est bizarre pour l'instant, mais vas-y. Ah ben voilà. Est-ce que je peux embaucher quelqu'un d'autre? Parfait.
Qu'est-ce que je peux... Presque. Comment on peut... Moi je vais vendre ça. Ok, ça avance. Toi, les temps passés chez les cafés du flou, c'est la galère, mais il faut bien payer le loyer. Puis je peux boire autant de cafés fade que je veux. Est-ce que je peux... Ah, voilà. Fais moins tâche. Et du coup, est-ce que je peux acheter ça? Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est pouvoir acheter les trucs de... L'heure pour... Ok. Donc maintenant, on va faire ça. On va tège E et on va rappeler E. Ah, c'est bien, hein, franchement. C'est pas très dur, mais il faut penser à tout un peu en même temps, c'est chouette. J'aime bien. Une fois qu'il n'y aura plus personne, je pense que je vais déplacer les tables. Wow. J'ai l'impression que les sorcières, faut qu'elles viennent tout le temps. Hein. Alors, il n'y a plus personne, du coup. Oui, bah oui. Du coup, il me manque ça. Voilà. Bon, bah, je pense que je vais m'arrêter là, moi. C'était sympatoche. On a joué 2 heures quand même. Les patounes, je sais pas qui reste, mais... Je pense qu'on est tous un peu claqués, hein, vu que plus personne parle. Merci d'avoir suivi, c'était cool. Franchement, c'est une bonne découverte. Je pense que je continuerai hors live. Puis on fera peut-être des jeux recherche de chats ensemble. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Je suis content parce que je vais bien. Donc je vais pouvoir passer une soirée normale.
Super sympa comme jeu. Ouais, c'est cool, hein. C'est ton genre en plus, toi. Tu me diras si tu le prends. Bonne soirée, Amy. Merci d'être passé. À très vite. On se tient au jus pour un prochain live. Et prenez soin de vous. Tchou 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 les patounes.